Il est l'heure. L'heure d'écouter Hamburger. Les infos. We want information. Youpi, on commence avec une news hyper hard, vraiment hyper crade, quoi, un truc vraiment dégoûtant. C'est une nouvelle carte vidéo pour les PC, bien sûr. Évidemment. Sans doute, il n'y a qu'eux qui utilisent ce genre de choses. Surtout, ils en ont besoin, quoi. Eh oui, les pauvres. Enfin bon. Donc alors là, je vous le dis comme je le pense. En français, ça donne Hyper Vidéo 928 Movie. En anglais, ça donne... Donc voilà, c'est vrai. Et c'est bien sûr vidéologique. Qui fait ça sur PC. Alors c'est une carte vidéo accélératrice donc qui contient, alors là les amateurs apprécieront, n'est-ce pas, le connecteur VESA Media Channel, pardon, excusez-moi, et le composant PowerPlay. PowerPlay, PowerPC. Non, pardon, excusez-moi. Désolé. Donc alors cette carte évidemment regroupe beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elle améliore non seulement la vitesse d'affichage, j'ai du mal, la qualité des couleurs et la résolution vidéo. Et oui, c'est important. Alors qu'avant, il vous fallait une carte pour la vitesse, une carte pour la qualité et une carte pour la résolution. Et là, tout en même temps. Et là, votre PC, ça ressemblait à, carrément à, vous voyez, un triceratops avec les trucs sur la... Enfin bon, c'était horrible, quoi. Hein, donc, on va rester sur les performances, genre, par exemple, une résolution de 1280 par 1024 en 256 couleurs. Oui, quand même, oui. C'est quand même sympa. Ou alors, carrément, si vous voulez les 16 millions de couleurs, il faut descendre à 640 par 480. Mais enfin, c'est déjà pas mal quand même. Oui. Donc, cette carte, normalement, elle est déjà... disponible dans tous les bons commerçants. Voilà. Pas dans les commerçants, mais chez les commerçants plutôt, bien sûr, j'ai du mal aujourd'hui. À 3500 francs. Bah, c'est bien. Hors taxe. Ah, allez, malheur. C'est pas grave. Allez. Des nouvelles du front. En effet, j'hésite pas à vous en parler. Des collègues se sont installés sur RFI. N'hésite pas. Mais RFI, on le reçoit pas au Mans, donc Radio France Internationale. Par satellite, effectivement, donc mon voisin en a un et... Non, voilà. Il y a un satellite, d'ailleurs. Donc, eux aussi s'intéressent au monde informatique, mais informatique pure. C'est-à-dire que eux, c'est moins dans les jeux, tout le délire et tout, donc peut-être un... C'est quoi la première mission en binaire, non? Voilà, exactement, là, ils sont deux, un jeune homme et une jeune fille. Quand je dis jeune, vu la photo, ça n'a pas l'air. La quarantaine? Oh oui, donc vraiment l'âge où on s'y connaît, quoi. Pas de problème. Mais ça a l'air d'être des pros informatiques. D'après leur lecture, ça risque d'être bien compliqué. Oh là là. Du PC, des trucs power PC. Oh là là, quel bazar. Et bon, pendant qu'on est en train de parler de nos collègues, vous parlez d'Hugo Délire, puisque en effet, ça a changé un peu. Et cette fois-ci, Karen Cheryl chante. Fait du ski. Ah non, ça serait censuré. Ils sont quand même pas fous sur France Télévisions. Voilà, et d'autres qui ne sont pas fous, c'est Microïd, puisqu'ils ont réussi à imposer, disons, leur jeu Super Ski, tout court. Super Ski. En sorte de 3D, synthèse et tout, super beau. Donc c'est déjà, je pense, plus intéressant de jouer avec ça par téléphone qu'un jeu qui ressemblait à un dessin animé. Pas très maniable à l'apparence. Oui, de toute façon, par téléphone, ça ne doit pas être très très maniable, de toute façon. Mais ça a beaucoup qu'a fait Microïd, puisque ça fait une sacrée pub pour leur jeu. Ah oui. Hein, pour les possesseurs de PC, bien sûr. Voilà. Et Amiga bientôt. Et Amiga bientôt pour Super Ski. Ah, voilà, on s'entraîne un petit peu. Oui, mais c'est malin, voilà ce qui arrive. Bon, une erreur. Sony, qui n'arrête pas de se marier avec tout le monde, dernièrement, bon, avec des gens comme Synopsis, des petites boîtes de rien du tout, c'est décidé, là, ils ont encore fait des alliances, ils couchent un petit peu avec tout le monde, ils mangent tous leurs ateliers. Donc Sony a fait donc un accord de distribution avec Tradewest. Ils vont distribuer donc tous les jeux Tradewest, entre autres, citons Battletoads, Double Dragon, enfin, pour ne pas le citer, n'est-ce pas? Sinon, en même temps, Sony donc a conclu, un accord avec Océan. Ah tiens donc. Donc normalement ils prendront en charge donc la distribution des softs de chez Océan à travers le monde. Le monde carrément. Le monde, donc ils nous préparent des choses comme les Flintstones, la suite. Les pierres à feu de le retour. Quelle horreur. Bon, ils vont distribuer Elite quand même, hein, n'est-ce pas Antoine? C'est Sony qui va distribuer Elite. Youpi. 2, 3, 4, 5. Sinon, ils ont prévu quand même des choses comme les valeurs de la famille Adams aussi en adaptation, qui devraient être relativement sympathiques sur Super Nintendo, n'est-ce pas? Et Jurassic Park 2. Oui, carrément. Avant le film, alors. Donc, on sait pas, hein, Sony, ils sont alliés avec plein de gens. Ils ont essayé avec Nintendo, ça. Attends, un petit peu est-ce que c'est Sony qui s'est allié avec plein de gens, ou est-ce que c'est plutôt plein de gens qui se sont alliés avec Sony? Sony, il dit, je veux m'allier avec tout le monde va le voir. Hein, voilà. Il n'y a pas de problème. Et oui. Mais moi, je veux bien m'allier avec Sony pour 20 millions de dollars. Aucun problème.
voudront-ils? Bonne question. Moi je veux bien. Oui, mais enfin bon, ça ne suffit pas. Vidiola, sous ce nom tout à fait curieux, eh bien se cache une carte vidéo également pour. C'est un peu Moulinex, je trouve. Non. PC, non. Pardon, donc pour PC de chez Orchid. Je n'entends pas tout ce qu'il dit. Oui, je sais pas. Bon, bref, et donc c'est une solution complète, si on peut appeler ça comme ça. Donc tout d'abord la capture vidéo. Alors on peut capturer, n'est-ce pas, plusieurs résolutions en 160 par 120. Là, vous allez jusqu'à 30 images secondes. 30 images secondes, évidemment, c'est le chiffre pour le standard NTSC, bien sûr. Et sinon, 320 par 240, là, c'est beaucoup plus fin, n'est-ce pas? Mais c'est 15 images par seconde maximum. Est-ce qu'on peut capturer la princesse? Et bien sûr que non. C'est malin. Et donc, on peut visualiser pendant la capture. C'est bien, Benoît. Et donc, ça, c'est quand même sympa. On peut ensuite éditer bien la capture vidéo qu'on a fait, donc avec le logiciel Adobe Premiere. Et donc, là, on peut insérer des effets spéciaux, des transitions, de la musique, etc. La musique qu'on entend bien, d'ailleurs. Voilà. On peut ensuite donc faire la présentation de tout ça avec le logiciel Compel PE d'Asymmetrix, ça c'est l'éditeur, et donc on peut visualiser en plein écran, ça c'est la fonction zoom, parce qu'en général on peut avoir des animations toutes petites genre timbre poste, et là hop, fonction zoom, c'est quand même plus agréable, et ou alors sinon visualiser en 16 millions de couleurs, etc. Donc sinon vous pouvez donc ajouter du texte, quelques options interactives, c'est-à-dire mettre des boutons pour cliquer et ensuite aller où vous voulez, etc. Donc ça c'est le logiciel. Donc sinon tout cela est sous Windows, c'est donc un logiciel qui vous permet de faire des présentations multimédia. Et donc sinon la config nécessaire pour ce genre de carte, eh bien c'est un PC à partir du 386, avoir un slot ISA ou EISA, bien sûr, ça c'est les slots vidéo, c'est les slots vidéo, mais oui c'est important, avoir 4 mégas de RAM et Windows. De toute façon quand on a Windows, on a généralement 4 mégas de RAM avec un 386, ça prend 10 mégas sur le disque dur tous ces logiciels. Et donc eh bien voilà, si une carte VGA ou Super VGA avec le Feature Connector, pour ceux qui connaissent ils me comprendront, en tout cas ça accepte le PAL ou le NTSC. La vidéo, ça la capture en 8, 16 ou 24 bits, c'est-à-dire en 16 millions de couleurs. Ça peut vous sortir du YQV, c'est du professionnel. Et donc, la capture fixe peut aller jusqu'à 640 par 480 en 16 millions de couleurs. Voilà, ça coûte 3500 francs TTC, c'est la vidéo là de chez Orchid. J'ai rien compris. C'est malin. Rambaga. Rambaga. Messieurs, bravo. Le blanc, bravo, 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 bravo. Merci. C'était le blanc. Ah, c'était le boum. Donc c'était le gruyère. Ouais, ça faisait longtemps. Et effectivement, c'était carrément le trou noir. Voilà. Bah, ouais, Star Trek, trou noir. Ouais. Ça peut aller. On peut dire non, que c'était fait exprès. Les previews Sensible Software. Non, ils sont pas méconnus, disons, sur micro, surtout sur Amiga. Ils seraient même plutôt connus. Ils seraient même plutôt connus. C'était sous-entendu dans ma phrase et. Donc tu as bien deviné, oui, mes bien pensées. Sûr, bien sûr. Donc ben là je vais reparler d'eux en previews. Alors qu'est-ce qu'ils nous font? Alors un titre encore avec Sensible, c'est Sensible World of Soccer. Donc après Sensible Soccer. Petit donc fou. Un jeu de foot avec des joueurs. Yeah. Qu'est-ce que ça change? C'est plus rapide. Il y a, ça sera plus rapide disons puisque c'est une preview, ça va sortir disons vers le mois de mai. Donc vers le mois de mai, c'est bientôt. Donc je disais des tirs, différents tirs maintenant, des brossés, des piqués, tout ça qui n'y était pas dans le précédent. Bah oui. 1500 équipes. Ah quand même. Vous avez toutes les équipes du monde avec tous les tournois du monde quasiment. Mais et 1500, tout. Et donc 25 000 joueurs. Donc je sais pas, ça fait plus de 11 joueurs par équipe. Ça. Voilà. Oula, c'est pas coûté cher autant de joueurs. Et tout à fait. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir manager toutes nos équipes, acheter, vendre des joueurs, tout ça, comme arnaquer, dans... passer des billets sous la table et comme tout. Dans... La réalité. Ah, non. Dans la réalité et comme dans le logiciel. Comme dans le logiciel. Giroud manager, c'est malin. Ah, ah oui, oui. Ah bah oui, tapis manager, il faut pas gâcher. Mais oui, pas est-ce qu'on peut verser les pots de vin pareil? Pendant qu'on est à Sensible. Oui, non. Bah. Oui, d'accord. Pendant qu'on est dans le Sensible, eh bien, un autre petit hit, futur hit, ça sera Sensible World of Golf. Ah. Donc, une simulation de la guerre du golf. Non, non, pas du tout. Un jeu de golf, toujours dans la même perspective, puisque c'est vu du dessus avec de tout petits personnages, de tout petits sprites. Comme dans Cannon Folder. Dans... Folder. Oui, donc Sensible Soccer, Cannon Folder. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas de Sensible, là. Bizarre. Et donc avec tous tout ce qu'on peut trouver dans un jeu de golf, le tir, le vent, la distance, avec des petits zooms justement balles, sur le trous, joueur qui tire et tout.
et des balles et des trous. Donc tout ça, ça promet. Merci Sensible Software. Donc ça sera sur Amiga 500 et 1200. J'ai oublié de préciser que sur 1200, ça sera quand même plus joli. Ah, ils vont faire un programme différent, disons qu'ils vont pas juste adapter. Et ça, c'est bien. Voilà. Empire, qui est donc le spécialiste des simulations wargames, souvenez-vous de Midwinter. Ah, oh, mon c'est vieux. C'est vieux, mais c'était quand même excellent. Donc, il prépare pour bientôt donc, un jeu où la guerre froide n'est froide que de nom. Ah, bon, d'accord, hein, oui, il y a un peu de mal. Vous vous retrouvez donc confronté à l'élite de l'armée rouge, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu vieux là ton truc. C'est une histoire d'alliance entre divers pays et tout. Enfin, c'est assez grand si vous voulez comme scénario. Et donc, vous êtes tout seul face au monde et donc. Comme seul Empire sait le faire, si vous voulez. Une fois de plus. C'est un logiciel formidable à travers donc une douzaine de pays, carrément. Vous devrez commander votre armée comprenant, entre autres, bon, une belle colonne de chars. Une grosse colonne de chars. Un croiseur, un porte-avions, un cuirassé. Oh mon Dieu. Et sinon, il y aura aussi quand même des choses comme des MiG, des petits avions comme ça, inoffensifs, comme qui pondent de gros œufs. Parfaitement inoffensif aussi. Bien sûr. Alors, comme dans des choses comme Campaign de Empire, tiens, quel étrange. De quoi il parle. Donc, comme dans Campaign, il y aura une vue subjective en 3D avec polygone. Ah, bah oui. Ça devrait quand même être assez joli. Et en plus, vous avez en plus le choix parmi 16 pays pour choisir votre camp. Et on peut même prendre le côté des méchants. Ah, bah, tant qu'à faire. Enfin, bah oui. Yo, c'est un jeu qui devrait être Ghost normalement. Être à mi-chemin entre une partie de Risk et puis une petite partie de Flight Simulator. Donc alors, pas mal de 3D, pas mal de simulation. Winter. Ah oui, bah c'est Empire. Hein. C'est un Empire. Et oui. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il va falloir logiquement un énorme PC du style Pentium, peut-être. Non, disons bien qu'un sûr. Un DX66 serait quand même le bienvenu. Sinon, c'est quand même une excellente chose, c'est que c'est prévu pour Amiga 1200. Avec des gros tanks et des gros chars et tout, ça va être formidable. Des gros canons. Donc c'est Red Ghost de Empire Software sur PC et Amiga qui devrait sortir d'ici 2 ou 3 mois seulement. Hamburger. Bien, donc... On enchaîne. J'essayais de m'entraîner, mais j'y arriverai pas, donc je vais quand même essayer. Bethesda Software, je confonds toujours. Comment, je ne sais plus. Bethesda Software qui nous a sorti pas mal de choses assez connues, Terminator Rampage, oui. Arena, n'est-ce pas, choses comme ça, dont on parle bientôt d'ailleurs, Elder Scrolls. Tout à fait. Ou Arena, ou... Voilà. La semaine prochaine. Terminator Rampage. Oui. Voilà. Il nous prépare un jeu de basket, parce que sur PC, on n'avait pas grand-chose, on avait évidemment le Jordan Flight d'Electronic Arts, qui techniquement était assez impressionnant, mais qui n'avait pas vraiment d'intérêt niveau. Bah, disons qu'il jouait dans l'univers virtuel, c'est-à-dire qu'il était, tout était noir, on va dire, voilà. Lui, le pauvre. Exactement, donc c'était quand même assez curieux. Et donc, le jeu donc de basket va quand même être très très bien. Il y a sur console en ce moment NBA Jam, par exemple, qui fait un carton pas possible. Ben, il faut quand même quelque chose sur micro. Et donc, là, ça va être NCAA Basket, un jeu que Bethesda Software donc, nous prépare sur PC. Il va falloir un bon PC, évidemment. Ils ont présenté quelques petites previews pour l'instant avec là aussi de la 3D, mais attention, ça sera quand même bien mieux que ce qu'avait fait Electronic Arts, c'est-à-dire donc dans le noir, mais techniquement très bien, mais enfin beaucoup plus intéressant avec donc plein d'angles possibles de vue, ça tourne dans tous les sens, 3D bitmap aussi. Curieux, ça mélange les deux, donc voilà. Mais enfin, graphiquement, ça devrait être un petit peu plus joli. Et des zooms, etc. 256 couleurs, enfin bon, ça promet. Et ce qu'on attend, nous, bien sûr, évidemment, c'est l'intérêt, la jouabilité. Et puis, quelque chose de final, hein, en technique, il va falloir que ça soit soigné. En tout cas, NCAA Basket, c'est quelque chose que prépare donc Bethesda Software pour juin sur PC. Youpi. Ah, une grande nouvelle que... Tous les amateurs n'ont pas pu rater, puisque Sid Meier, oui. N'est-ce pas, Sim, qui est l'auteur de oui. Civilization, a rejoint l'équipe de Maxis, qui non. est la célèbre équipe qui a fait tous les Sims. Oh, même le Sim de la télé, non. Voilà, tout à fait, bien sûr. Et donc, alors vous allez me dire, cette rencontre quand même assez explosive, quand même, eh bien, va donner un jeu qui c'est risque, ma foi, d'être un des jeux les plus complets de tous les temps au niveau jeu stratégique, hein, j'entends. Donc, ça va donner un jeu genre SimCiv,
hein, puisque leur ambition n'est pas moins de regrouper carrément les deux softs principaux des deux boîtes, c'est-à-dire que Civilization plus SimCity, plus éventuellement Railroad Tycoon, Sim Earth, Sim Ant, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc, ça va être carrément du béton, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, au niveau du principe du jeu, bah, imaginez Civilization au début, hein, vous avez une petite tribu. Hein, et puis voilà, donc vous évoluez comme ça. Et donc pour la partie SimCity, mais à chaque fois que vous cliquez sur une ville, et ben paf, vous allez rentrer dans SimCity. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir une ville à gérer en tant que maire, bon, évidemment, en tant que chef de tribu si vous êtes au départ, n'est-ce pas? Mais évidemment, les options ne vont pas s'arrêter là, puisqu'ils ont prévu beaucoup d'autres choses, des choses absolument magnifiques, n'est-ce pas? Vous vous en doutez. Par exemple, pour le côté Sim Earth, vous pourrez notamment décider de l'inclinaison de la Terre, des taux de mutation, c'est-à-dire que vous pourrez créer des mutants. Et vous voyez jusqu'où ça va. Par exemple, vous pourrez créer des humains à 8 bras, donc les capacités de production seront doublées. N'est-ce pas? Il y en a du bourron. Donc ça va être absolument incroyable. Au niveau de la musique, eh bien la musique évoluera en fonction de l'avancement de la science. C'est-à-dire qu'au départ, vous aurez une tribu qui tapera sur des troncs d'arbres, donc vous aurez des au fur et à mesure, enfin donc techno, donc c'est bien. À la fin donc voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est ce qu'on entend d'ailleurs dans le fond. Voilà. Donc alors évidemment, vous allez me dire, mais alors c'est un jeu absolument énorme. Mais c'est un jeu dès qu'on va cliquer, énorme, ouais. Dès qu'on va cliquer sur un pixel, on va rentrer dans un autre jeu. C'est absolument honteux. Mais je vous rassure, ils ont tout prévu puisqu'il y aura des modes d'aide, évidemment. Un petit peu comme dans Civilization, un mode très progressif. Et puis vous aurez même un mode qui vous aidera. Vous ne gérerez en fait qu'une seule partie du monde. Et le reste du monde que vous aurez conquis, n'est-ce pas, sera géré de la même façon, mais par l'ordinateur. Ah. Donc en fait, si vous gérez mal, eh bien, l'ordinateur gérera mal. Et si vous gérez bien, eh bien, l'ordinateur gérera bien. Merci. Donc, bien sûr. On attend ça pour la fin de l'année. Ah. N'est-ce pas, Eddie? Oui. Compte-t-il incorporer Sim Ant? Eh bien, Simon, je ne pense pas. Dès qu'on va dans une ville, dès qu'on va dans une maison, après, dès qu'on va dans le frigo, oh là là. Une simulation des fourmis. On trouve une fourmi dans chaque cake, n'est-ce pas? Juste une question. Pour l'instant, il s'arrête juste à SimCity plus Civilization. Je trouve déjà ça pas mal du tout. SimCity, c'est déjà assez big comme ça. SimCity, Sim Earth et compagnie, hein, n'est-ce pas? Civilization, ça m'a l'air assez fantastique aussi. Plus élite, oui. Oui, ce qui leur manque, en fait, ce serait un côté conquête de l'espace. Mais enfin, peut-être qu'ils y pensent déjà. Enfin, on ne sait pas. Donc, en tout cas, ça sort à la fin de l'année. Évidemment, sur PC d'abord. Certainement une version PC CD-ROM d'ailleurs, parce que ça m'a l'air assez énorme de ce côté-là. Donc voilà, on attend ça impatiemment de la part de Maxis. We'll be right back.
nouveauté. Actuellement sur les écrans. Vous allez me demander pourquoi parler de Terminator sur Mega CD en nouveauté. Bah pourquoi ? Ah pourquoi, oui, tonton Laurent ? Ah oui, ils sont coopératifs ce soir. C'est vrai, bon, il a été... Est-ce que je peux prendre un cachou dans ta poche ? Oh oui, mais viens mon petit garçon. Fais gaffe aux gros sucres d'or. Oh là fais là. Gaffe, ils sont moisis. Oh. Bon, c'est vrai pour Terminator, bon, il était décliné sur toutes les consoles avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. C'est honteux. Eh bien bon, parce que dans le cas présent, c'est une toute nouvelle version et pas une conversion. Ah. C'est une version intelligente. Oui. C'est une version intelligente donc que Virgin a fait donc, et a développé sur Mega CD. Et oui, alors en effet, Terminator devient ici un beat'em up à plateforme, reprenant bon, le premier film de Cameron, donc c'est assez sympa. Film dont on reconnaît d'ailleurs quelques scènes massacrées par la pauvreté des graphismes de la machine en quelques animations vidéo qui font pitié, franchement. Ah oui, alors, là, oui, ça doit pas être terrible quand même, ça. Enfin, hein. Mais c'est pas grave, bon, parce qu'ils sont là que pour faire joli. Bon. Et c'est pas le cas, donc ils sont passés. C'est pas le cas, mais enfin, bon, c'est pas grave. Donc sinon, vous allez incarner violemment Kyle Reese, le héros blême aux cheveux. Oh oui, Christ, oh oui, donc, oh oui, oh oui, oh oui, oui. Donc, vous allez, ça va commencer bien sûr en 2029, face aux Terminators. Il faut le buter, bien sûr, mais c'est affreux et tout. Bouffe-moi la baraque. Et ça finit bien sûr au 20e siècle. Vous allez retrouver Sarah Connors. Toc, toc, boum. C'est à côté. Et donc, vous allez retrouver Sarah Connor, la protégée du Terminator. Et donc, d'ailleurs, à ce niveau-là, l'enchaînement respecte bien le scénario du film. Donc, pas forcément d'ailleurs des boss de fin de niveau. Parce que dans le film, il y a... Il y a un camion. Il y a un camion, oui. Il bon, y a Terminator plusieurs fois. Bon, enfin, bon. Pas trop. Il y a donc peut y avoir des boss en début de niveau. Tiens, oh mon dieu, un boss. Ouais, mais enfin, bon. C'est un robot, il a pas de boss. Alors sinon, c'est graphiquement... graphiquement, c'est quand même excellent. Sauf bien sûr les séquences d'animation vidéo. Oulala. Sinon, le maniement est quand même impeccable. Un bon fond sonore du style hard rock, rythmé en plus par les rafales de votre puissant fusil mitrailleur. Puissant. Tu l'as vu, mon fusil ? Eh oui. Sinon, bon, seule la prise en main nécessite un certain temps d'adaptation, après lequel le jeu prend toute sa valeur. Sinon, c'est quand même d'un très très bon niveau, sans être trop ardu quand même. Hein. Ils ont fait quelque chose de très sympa. Bon, sinon, c'est très très bien lu. Le stockage est employé surtout bon, pour la musique, et on regrette pas parce qu'effectivement, pour ce qui est de l'animation, ils auraient pu s'en passer. C'est à la limite, on dirait qu'on regarde Canal+ sans décodeur, c'est absolument offreux. Le samedi soir. Oh pardon, excusez-moi. Ah, le samedi soir pendant un film d'horreur, lui. Effectivement, oui, éventuellement. Bon, Terminator, donc, réjouira à ceux qui ont acheté un méga CD et qui voulaient le balancer. Youpi. Réjouissez-vous. Mickey, encore. Ah, revient sur Super Nintendo avec ses grandes oreilles. Et voilà, un nouveau jeu. Donc, puisque eh bien, ça faisait longtemps, il y en a déjà eu plusieurs. Donc là, c'est Super NES et non pas Super Nintendo, c'est la version américaine. Donc Mickey's Ultimate Challenge. Bon. Et c'est High Tech l'éditeur. Et donc, je sais qu'on va avoir beaucoup de mal. Et là, détrompez-vous. Puisque donc Mickey n'est pas un jeu de plateforme tout à fait classique, avec des boss de fin de niveau, etc. Non. C'est quand même beaucoup plus de réflexion, mais attention, pas de la réflexion mêlée au jeu de plateforme comme il avait déjà fait. Non, c'est plutôt éducatif. Donc attention, méfiez-vous. Pour ceux qui attendaient Mickey, eh bien, ça sera pour les plus jeunes, pour les beaucoup plus jeunes, puisque le jeu est tellement facile que vous pouvez le terminer, je pense, en moins d'une heure quand même. Non. C'est quand même grave. Et achat donc... compris. Achat compris, bien sûr. Je propose différentes épreuves, pourquoi pas. Bon, pas inintéressante, avec des graphismes plutôt sympathiques, mais c'est pas trop compliqué, pas tellement long. Et par contre, alors avec des musiques, enfin des musiques, que dis-je, la musique c'est toujours la même, et au bout d'un moment c'est quand même relativement pénible. Le maniement est pas mauvais du tout, la réalisation est, tiens, c'est bien la route, mais c'est l'intérêt du jeu. Donc méfiez-vous, ne confondez pas ce Mickey là avec un jeu de plateforme. Avec le mien. Oui, ne voilà. Confondez pas. Ne le confondez pas, donc méfiez-vous en tout cas. Pourquoi pas, donc en version française, donc à ce moment-là, ça serait mieux pour un éducatif, et donc sinon, c'est en version américaine, Mickey's Ultimate Challenge sur Super NES, merci. Oh là là. C'était un léger vent qui traversait un peu le studio, puisque Ultima 8 arrive. Ultima 8 est là depuis quelques semaines, sous-titré Pagan,
Pagan, si vous préférez. Oui. Et donc, bah, c'est bien sûr Origin qui sort ça sur PC. Et donc là, on est un petit peu embêté quand même. On est embêté quand même avec ce jeu quand même. Oui, explique. On est quand même très embêté. Bah, parce que seuls les heureux, très heureux et même très fortunés possesseurs de PC 486, DX66, voire Pentium. Et là, je n'exagère pas, parce que quelquefois j'exagère, chers auditeurs, mais là, je n'exagère pas, pourront profiter. De ce soft, hein, puisque quand même c'est quand même réservé à l'élite là, c'est quand même un gros morceau. Reggie nous avait habitué à faire des softs assez élitistes, mais alors là c'est quand même le top niveau, c'est vraiment un truc que pour les gros PC, hein, vraiment. Je m'explique pourquoi, tout simplement parce que depuis Ultima 7 il y a eu pas mal de changements. Oui. Il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup de changements. On a eu des changements, n'est-ce pas? Puisque cette fois-ci, on est carrément en 3D isométrique. On n'est plus en espèce de 3D vu du dessus, à gauche, en haut, à droite, n'est-ce pas? On a l'impression que les personnages rament sur leurs coudes, n'est-ce pas? C'est assez impressionnant. Donc là, c'est fini. Cette fois-ci, c'est très lisible. En plus, les graphes sont vraiment magnifiques. Hein, ça, il n'y a pas de doute. On est très loin des digits péraves de certains éditeurs que je ne nommerai pas. Non, vaut mieux pas. Sierra. Donc voilà. Et bien évidemment, à ce niveau-là, on en prend plein la gueule, n'est-ce pas, on peut dire. Et puis, alors évidemment, c'est un Ultima, donc on va quand même s'arrêter 5 minutes sur le scénario. Ah oui. Hein, et surtout sur l'ambiance qui se dégage de ce soft, puisque je vous le dis, c'est un des premiers softs où vous pourrez voir carrément des meurtres rituels, mais en direct. Des meurtres d'enfants. Des enfants, mes fils, des enfants sacrifiés à des dieux. Oula. C'est absolument honteux. Je me demande d'ailleurs comment c'est sorti aux États-Unis. Bientôt sur TF1. C'est... Déjà sur TF1. C'est un mystère parce que à mon avis certaines ligues de familles américaines auraient dû mettre des sticks interdits au moins de 18 ans parce que ils ont plus de sticks, ils ont tout mis sur Night Trap, ils en ont plus. Ah bah oui, ils ont fumé. C'est comme ça. Bon, en tout cas ça commence par une décapitation, enfin c'est carrément du gore. Oh là là. Gogo, le sang gicle, n'est-ce pas, c'est merveilleux. Donc vous retrouvez l'avatar, youpi, ça fait quand même 8 épisodes qu'il est là ce con. Commence à nous gonfler un petit peu. D'avatar, en plus, il s'est mis une casserole sur la tête, vous verrez. Et donc, alors, vous allez partir dans une quête effrénée. Le scénario principal étant, bien sûr, d'aller voir 4 écoles de magie. Donc, puisque vous vous retrouvez dans le monde du gardien, le méchant gardien. Et oui, donc, il va falloir vous en sortir. Alors, au niveau de la grandeur du jeu, eh bien, c'est un petit peu moins grand qu'Ultima 7, parce que c'est vrai que c'était quand même du béton quand même Ultima 7. Donc là c'est un petit peu plus petit, un petit peu plus dense même, c'est-à-dire que c'est même presque un peu mieux finalement que ce soit plus petit, parce que on perd moins de temps à se balader dans les décors, hein, finalement. D'autant plus que je dirais que l'aventure est un peu plus facile, entre guillemets, parce que c'est quand même un Ultima. Donc voilà, alors on est bien content, les musiques, les bruitages, tout ça c'est absolument magnifique. L'avatar marche sur de la mousse, vous entendez de la mousse, il marche dans une mer, vous entendez floc, enfin c'est absolument merveilleux, ils ont tout prévu. La traduction est en français est faite. Ah bien. Hein, celle-là je vais la refaire. La traduction en français est faite. Bien, voilà, c'est mieux. C'est encore mieux. Bon, puis voilà, quoi, il n'y a rien à en dire. Sinon que, bon, bah, si vous avez un gros PC, vous vous jetez dedans, n'est-ce pas? Si vous avez un petit PC, eh bien, vous pouvez faire pipi sur votre PC. Merci. De la façon dont a présenté Antoine son jeu, ça a l'air génial. Donc je vais essayer de faire pareil avec le mien. Il n'y arrivera pas. Equinox. Ah super, bien. Pour tous les possesseurs d'une simple Super NES. Une Super NES toute simple. Donc ceux qui ont une Game Boy, ils peuvent la laisser de côté. C'est une Super NES et non pas une NES. Arrêtons-nous 5 secondes sur le scénario, puisque quand même 5 secondes, c'est Sony qui a fait ça. Sorcière Sonia, pleine Galanodnia, héros Glendal et père en danger. Voilà. Donc voilà, une sorcière, un père et un héros. Le héros, c'est vous, c'est Glendal. Glendal. C'est Glendal. Alors cette fois-ci, les vues étant 3D isométriques, et là, on a l'impression qu'il rame. C'est sponsorisé par Tony Glendil. Solstice 2, ça vous dit quelque chose? C'est Equinox, c'est Solstice 2, donc pareil, vu en 3D isométrique, et justement, là, je m'arrête, puisque c'est assez mal géré, tout le monde le dit, et c'est vrai. On voit mal où sont placées les dalles, si elles sont en hauteur ou si elles sont à notre niveau. Donc des fois, on dit, tiens, une dalle, je vais lui sauter dessus, et finalement, elle est 2 mètres plus haut, donc vous rétamez par terre, et ça vous fait un drôle d'effet. Donc il va falloir s'habituer un peu à la vision. Bon, quand même, à la longue, on s'y fait, puis les graphismes changent selon le niveau où vous êtes, heureusement. Le château, tout ça. Donc quand même, Equinox, je replace les choses dans leur contexte, ce n'est pas un jeu de rôle, c'est plus un jeu, disons,
casse-tête, remue-ménage, puisqu'il va y avoir aucune interaction avec les personnages. Il n'y a pas de ville à visiter, il y a pas de, on va pas discuter, acheter des objets ni rien. On découvre, il y a des bonus, des fantômes, des méchants. Et le but du jeu, c'est de, un peu de réussir à sortir des labyrinthes, puisqu'il va falloir pousser des gros blocs, détruire des monstres, utiliser des sorts magiques quand il faut. J'ai dit pousser des blocs et non pas lâcher des caisses, ça n'a rien à voir. Ah oui, ça n'a rien à voir. Mais quand c'est cubique, ça fait Donc vous allez donc pouvoir ramasser différentes armes, découvrir plusieurs magies. D'ailleurs, bon, dès le départ, il faudra trouver par exemple 12 perles pour les trouver, pour ensuite les lâcher et découvrir le corps du monstre dont l'âme interdit l'accès du pont pour passer au second niveau. C'est japonais, donc, de tout ça, c'est vraiment prise de tête. C'est très 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 long à finir. La difficulté est croissante. Les musiques sont sublimes, les graphismes sont bien, à part la mauvaise gestion, disons, de la 3D. Des perles. C'est un jeu quand même sympa pour tous les fanatiques de ce style de jeu. Un cake. Qui n'est pas récent, finalement. Pardon, oui. Finalement. Donc Sony Equinox, c'est un jeu sympa. Sympa. Adaptation. Road Rash, eh oui, jeu immensément connu, arrive sur Game Gear. Puisque Electronic Arts avait fait quand même pas mal de jeux depuis quand même des années sur Mega Drive, ils continuent comme ça à faire leur conversion sur les différentes consoles. Et donc là, c'est Road Rash qui nous arrive sur Game Gear. C'est donc une course de moto un petit peu spéciale, puisque donc tout est permis, on peut se taper sur la figure, il faut frapper ses concurrents donc à coup de poing ou à coup de pied. Alors en plus, ça dépend. Si vous êtes très proche donc de votre concurrent, là vous lui donnez un gros coup de poing. Quand même sur la tronche, dans la gueule. Il est bien déséquilibré. Et sinon, donc un coup de pied. Remarquez, avec tout ça, vous aussi, vous êtes déséquilibré. Mais enfin bon. Donc sinon, vous avez évidemment des voitures à éviter. Ce sont donc des courses organisées, surtout sans l'aide de la police. Non, il faut surtout pas les rencontrer. Il faut faire très attention, c'est totalement hors la loi. Et donc, faire attention, on peut tomber de sa moto, bien sûr. Et là, il faut remonter, parce que sinon, si vous bougez la direction gauche et droite, en fait, c'est le bonhomme qui se déplace autour de sa moto. Il faut remonter sur sa moto, quand même. Ah oui, il peut se faire rouler dessus, en plus. Exactement, il peut se faire rouler dessus. C'est quand même assez immonde. Sinon, à chaque fin de course, eh bien, vous gagnez de l'argent. C'est logique, suivant votre position d'arrivée, si vous êtes premier, deuxième, troisième, ben voilà, donc il faut donc avoir de l'argent pour acheter une meilleure moto, une moto plus performante, et donc pour aller plus vite et donc cogner donc les autres joueurs. Sinon, il faut gagner 5 courses pour passer au niveau suivant, mais alors attention, 5 courses ça peut faire long, et quand vous êtes arrivé au niveau suivant, vous êtes content, ou alors vous avez plus de piles, donc il vaut mieux noter un mot de passe, ça y est, je vais y arriver, heureusement il y en a, donc les mots de passe pour pouvoir continuer le jeu. Bon, ben sinon, réalisation, graphisme assez sympa pour la Game Gear, ils ont bien bossé. La maniabilité, c'est assez impeccable, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On comprend rapidement, quoi. C'est pas compliqué. Gauche-droite, on accélère, on freine. Et puis sinon, il y a un bouton pour les donc coups de pied ou coups de poing. Là, c'est automatique, suivant qu'on est loin ou pas. Donc, c'est pas compliqué du tout. Mais le problème, c'est que les courses sont un petit peu longues. On s'ennuie. Au bout d'un moment, on s'endort même, je trouve. Il se passe rien du tout. C'est très grave. Donc, c'est un petit peu embêtant. Et puis en plus, on n'a pas l'impression d'aller très très vite. Hein. Ça, c'est un petit peu dommage. En tout cas, bon, ce jeu était quand même très très attendu sur Game Gear. C'est pour les fans. Sinon, c'est quand même assez moyen. Mais enfin bon. Road Rash est disponible sur Game Gear. C'est d'Electronic Arts. Vu et disponible chez Shoot Again. Quack, quack. Oh, pardon. Bien. Innocent and Little Goth. Côte. Oui. Donc vous êtes innocent jusqu'à ce que vous soyez pris, puisque ça sort sur Amiga 500 et 1200. C'est en adaptation directe du PC, et c'est bien sûr Psygnosis qui nous compose ce tout petit jeu d'aventure, on peut le dire, je dirais même ce minuscule jeu d'aventure, puisque l'intérêt principal de la version PC était en fait les graphismes, et puis le scénario, qui changeait un petit peu, qui sortait un petit peu des sentiers battus, puisque vous incarniez un voyou, on peut le dire, mais un escroc, n'est-ce pas, qui devait de l'argent à tout le monde, et poursuivi par un percepteur, n'est-ce pas, lourdement armé, et bien il devait donc aller de magouille en magouille pour essayer de retrouver de l'argent, sur une planète, n'est-ce pas, lointaine, puisque ça se passe un petit peu dans le futur. Donc, au niveau du scénario, ça avait l'air tout à fait alléchant. Malheureusement, je dirais que, bon, on se retrouve dans un jeu à la Sierra, hein, un jeu d'aventure graphique, donc avec un personnage qu'on déplace à l'écran, avec des icônes d'action, avec des objets ramassés à utiliser dans d'autres endroits. Les graphismes ont beaucoup perdu en 32 couleurs. Bon, peut-être qu'une version 1200 serait envisageable. Ce serait pas mal qu'on retrouve les 256 couleurs de l'original, ah oui, parce que ça ferait pas mal. Il y a quand même 10 disquettes, hein, quand même, donc il y a quand même de la donnée, quand même, hein, y a du boulot, quand même, les copains. Mais dans l'ensemble,
ça reste quand même assez facile. Hein. Disons que c'est pas très long. Je dirais que c'est un jeu d'aventure un petit peu à la Simon the Sorcerer dans un autre genre. Hein, c'est un jeu pour passer une semaine ou deux. Ça va pas plus loin. Donc voilà, c'est Innocent Until qui sort sur Amiga 500. Donc on est bien content. Hamburger. Les simulations de flipper, on connaît ça sur micro, on en a plusieurs, sur PC, tout ça. Mais sur console, ça se fait rare. D'ailleurs, sur Super Nintendo, c'est encore plus rare, puisque le dernier, c'était Jackie Crush, d'ailleurs, qui était pas mal. Et là, enfin, on a Pinball Dream. Que dis-je enfin, c'est peut-être pour, juste pour le titre. Avec ses quatre flippers, dont Ignition, le voyage dans l'espace, Steel Wheel, le Far West, Nightmare, le... L'épouvante, voilà, il m'aiderait même pas. Et Beatbox, la boîte à rythme, merci. Donc, une simulation de flipper où on voit donc, le flipper ça bien à plat vu du dessus, satellite. Un flipper à plat, tiens, non. À plat vu du dessus, satellite. Donc, l'adaptation micro, disons, est assez. Ça donne pas le même intérêt que sur micro, c'est moins jouable, c'est aussi joli, disons, et les musiques tout aussi entraînantes, mais malheureusement, il n'y a pas tout l'intérêt d'un jeu de flipper. Auquel on pourrait s'attendre, disons. Surtout que parallèlement sort sur Super Famicom Super Pinball Behind the Mask, dont je parlerai peut-être plus tard, où le flipper est penché comme en réalité, disons, où on le voit, la vue est avec une perspective. Et comme donc, dans Pinball pas de exactement, il n'y a pas de scrolling. Et là, il y a un scrolling pour Pinball Dream pour traverser tout l'écran. Donc, l'éditeur, c'est Game Tech, et l'adaptation, disons. Si vous n'avez pas de jeu de flipper et que vous aimez ça, autant prendre Pinball Dreams. Mais pourquoi pas attendre Pinball Fantasy qui risque d'être très très sympa. Mais pourquoi pas, sympa. Mais pourquoi pas. Après nous avoir émerveillés sur Mega Drive et déçus sur Super Nintendo, Aladdin, adaptation du célèbre dessin animé de chez Disney, est enfin adapté sur Game Gear. Donc par rapport aux autres versions, on note de grandes différences dans les séquences du jeu, non pas dans les séquences du scénario ça, lui-même. Ça reste. Non, je n'ai pas sauté le lien. J'ai oublié d'écrire. Lynn, c'est une nuance. Lynn est très con. Donc, sinon, le scénario respecte toujours à la lettre celui du dessin animé, mais dans les épreuves à effectuer, c'est pas la même chose du tout. Sinon, donc, le premier niveau est tout simplement comme une poursuite qui fera un appel uniquement à vos réflexes et puis c'est tout. Aucune recherche, rien. On saute, on court. C'est de l'action. On est poursuivi par un méchant, il y a des tonneaux à sauter et des trous sans fond à éviter. Voilà. C'est Terminator 2. C'est. Non. Des trous sans fond. Et non pas des tonneaux à tuer, des méchants à sauter. Et... Alors, après on a quand même quelques séquences en plateforme, puis re-séquence de poursuite, mais ce coup-ci avec la princesse, puis avec le tapis volant, et puis re-séquence de plateforme, puis re-séquence de poursuite. Tu veux dire qu'il y a des séquences de trio avec la princesse et le tapis volant éventuellement. Et le chimpanzé. Et le génie. Donc Aladdin sur Game Gear est en fait donc un enchaînement de course-poursuite et de plateforme très bien réalisé, entrecoupé de scènes d'animation reprenant les séquences du dessin animé. Et c'est là qu'ils ont fait très fort sur la Game Gear. On sait pas comment ils ont fait pour faire entrer autant de trucs dans une petite cartouche. Ils l'ont fait, c'est absolument super. Les animations sont géniales. Les graphismes, mais c'est formidable, c'est époustouflant ce qu'ils ont réussi à faire. Et l'animation, on retrouve ce qui a été le travail qui a été réalisé sur Mega Drive. Il en est époustouflant. Aussi bien. C'est quasiment aussi bien. C'est fabuleux. Le son, bon, on retrouve les thèmes principaux, la musique d'Aladin. Enfin bon, les graphismes sont très très beaux. Par contre, il y a un petit problème sur Game Gear. Toujours le même problème. Déjà, la version Mega Drive était relativement facile. Là, c'est extrêmement facile. Oh non, c'est lamentable. Non, mais c'est sur Game Gear. Et puis en plus, il y a moins d'intérêt de recherche, choses comme ça. Donc, il y a une partie de l'intérêt de ce jeu-là qui se retrouve perdu dans un puits sans fond. Pour les jeunes. C'est pour les jeunes. Sinon, Aladdin sur Game Gear, c'est quand même absolument génial en réalisation. Oui, c'est extrêmement maniable. C'est peut-être justement parce que c'est trop maniable que c'est trop facile. Peut-être. Enfin bon, c'est Sega qui a fait ça directement sur la Game Gear. Vue disponible chez Shootagan. Youpi. C'est absolument superbe. Oui. J'adore. Coup de gueule. Ah, un petit coup de gueule, tiens. Contre une petite société absolument inconnue qui fabrique des cartes dans la banlieue de. De Tokyo. Vous avez des cassettes Nintendo. La banlieue de Tokyo. Voilà. C'est Nintendo qui nous annonce depuis quelques mois. Son alliance avec Silicon Graphics, qu'on ne présente plus, n'est-ce pas? C'est quand même. Silicon Graphics, c'est quand même des grosses bécanes, c'est carrément presque des ordinateurs et non plus des micro-ordinateurs, donc c'est impressionnant.
et qui nous annonce donc avec Silicon Graphics depuis quelques temps un projet qui devrait sortir à la fin de l'année, on sait pas, on se tâte un peu, qui s'appellerait Project Reality, enfin bon ça c'est le nom de code, à mon avis ça va s'appeler la Mega Nintendo, mais enfin bon ça c'est un avis personnel. Et donc qui depuis quelques temps dans les salons s'amuse à faire tourner des petites démos, des trucs pour impressionner le jeune public et les jeunes journalistes boutonneux, n'est-ce pas, français, n'est-ce pas, qui traînent là-bas. Et bien évidemment, ça nous a interpellé quelque part. Quelque part. Mais alors vraiment quelque part, d'ailleurs. Aïe, oh, enlève ta main, s'il te plaît, merci. Et on s'est un petit peu penché sur la question. On a eu un début de réponse avec le patron de Commodore. Et oui. Qui, dans une interview donnée au journal Joystick, pour ne pas le citer, a littéralement, on peut dire, cassé le projet Nintendo en mille morceaux, puisque il a carrément dit que c'était du pipeau, on peut le dire. Oui, d'ailleurs, il s'allie avec quelqu'un d'autre. C'est totalement irréalisable actuellement. De toute façon. Tu fais bien le pipeau. Bien. On verra ça ce soir. Donc, et par conséquent, donc, alors, évidemment, la stratégie de Nintendo étant de faire tourner des grosses démos avec des trucs en images de synthèse, de la 3D, mappés, etc., etc., sur des bécanes, évidemment, de 50 000 $. Donc, 500 000 dollars, même, carrément, 500, pourquoi pas. Même 50 millions, 2 000 $. Donc, voilà. Ça fait quand même beaucoup. Certaines machines atteignant 100 millions de roubles. C'est quand même assez impressionnant. Et bien évidemment, c'est très impressionnant à voir. C'est de l'image de synthèse, c'est très très beau. Télé. Mais évidemment, de là à avoir ça chez soi pour, n'est-ce pas, 200 dollars environ, c'est-à-dire oui. 1200 francs, on en est quand même très loin. Très très loin. On est très très loin. Donc c'est pour ça, on ne voudrait pas que vous le laissiez attraper par ce genre de gogoterie. Ouais. Si on peut, c'est pas mes... Pour l'instant, c'est n'importe quoi de toute façon. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça sortira certainement en version cartouche, à savoir qu'il n'y aura pas de CD-ROM ou que le CD-ROM viendra après. Oula. Et que Nintendo aurait, je dis bien aurait, trouvé un système de compression absolument fantastique qui lui permettrait de mettre l'équivalent d'un CD sur une cartouche. Oui, et donc, évidemment, l'accès serait encore plus rapide que sur un CD-ROM, ce serait quasiment instantané, donc ça pourrait être bon, du temps réel pratiquement. Donc le prix de ces cartouches aussi, c'est ça le prix des cartouches. Comparé à un CD. Le prix de la machine. 15 balles. Voilà. Moi, je me tournerais plutôt pour l'instant vers Sega qui a plutôt le vent en poupe en ce moment. Et oui, avec la Enterprise. Non. Avec la Saturn. Saturn. Qui, ma foi, s'annonce assez fantastique. Et donc Sega d'ailleurs aux dernières nouvelles lance déjà au Japon des machines d'arcade à base de Saturn pour faire voir donc dans les salles d'arcade ce que vont donner les jeux que vous aurez à la fin de l'année chez vous, enfin en tout cas au Japon, chez les petits japonais qui ont décidément beaucoup de chance. Et donc c'est genre Virtua Racing ou Virtua Fighter chez vous. Et oui, quand même. Donc c'est quand même assez. Et Virtua Racing, c'est pour bientôt sur Mega Drive de toute façon. En plus, oui, ouais, enfin la cartouche va coûter quand même bonbon là. Bah oui, il y a un DSP dedans. Donc évidemment. Ce sera le titre qui sera pareil. Parce que je crois. D'ailleurs, oui, je sais pas si c'est pas 900 le francs. Prix, ou 1000 francs. Le prix a été revu à la baisse et attendez-vous à ce qu'il arrive plus tôt que prévu, c'est-à-dire d'ici quelques petites semaines. Ah tiens donc. Mais oui. Pardon. Donc voilà, donc alors c'était juste pour vous prévenir quand même que tous ces projets c'est bien beau, mais que il faut vraiment le toucher pour vraiment pouvoir donner un avis précis dessus. C'est n'importe quoi. Et Nintendo essaie de faire croire qu'ils vont avoir une machine meilleure que. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait ils essaient de dire au public, n'achetez pas de Sega, n'achetez pas de 3DO, vous allez voir, nous on est bien mieux. D'ailleurs regardez sur l'écran là-bas, vous avez vu, il y a Mario en image de synthèse. Ha ha ha, oh ho ho, hihihi, uhuhu, ils vont l'avoir dans le. Et merci Benoît. Il est l'heure d'écouter Hamburger.